Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Korogorsion qui vous parle en direct de la 44e partie de mon Playfrou des Royaumes d'Amalur Reckoning. Visiblement nous sommes toujours dans la maison des chagrins. On devait faire quelque chose, je ne sais absolument plus quoi, hein. Tout va bien. Donc je vais tout de suite regarder ce que j'étais censé faire. Je dois aller à Damalrock. Ah oui, je devais aller à Damalrock et c'était super loin si j'ai bon souvenir. Oui, c'est ça. On va aller à Damalrock. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'autre en route. Bon, en même temps, Damalrock me ramène de cet endroit-là. Donc ça m'intéresse. Ah oui, je peux pas d'ici. Donc j'espère que vous allez bien, que ce playthrough vous plaît toujours. Ils ont quand même une drôle de décoration ici. Voilà. J'ai fait des modifications dans mes câblages et tout ça récemment. Du coup, il faut que je remette l'ordi en place. On va aller à Camp Alphar. Alors, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'aller super bien, mais je m'en contrebalance. Directement voir ce qui se passe au sud. Qu'est-ce qu'il y a là? Oula, oula, non, non, on ne va pas aller embêter les gens. Oh là, il y en a partout. Laissez-moi la paix. Ah, mais laissez-moi passer, enfin. Je ne vous attaque pas, fichez-moi la paix. Ah oui, non, non, j'avais dit que je devais réparer mon arme, mais non, c'est vrai, j'ai utilisé un kit de réparation. Je m'en souviens. Chose que je ne fais pas assez. Ce qui m'évite de devoir rentrer en ville. Alors, ici, il y a encore un camp. C'est bien, les gens, ils font du camping dans le coin. Camp d'Audi. J'ai pas envie de savoir qui c'est. Oula, 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 il y a du monde, là. Bon, je me dis que eux, je vais peut-être les tuer, quand même. Tant qu'à faire. Ouch! Ça va pas, non? C'est tout? On va en plein dans le territoire des Bulgans, apparemment. Attends. Ouais, apparemment c'est par là. Apparemment, c'est même plutôt par là. Ah, ça serait bien ça. Oula, 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 oula. T'es moche. Allez, va au panier et on ne parle plus. D'où tu sors, toi? Aïe. Lame faille noble. Ça m'étonnerait que ce soit meilleur que ce que j'ai. Ouais, c'est de la grosse merde. Je crois quand même que j'ai fait un tour en ville d'ici peu. Alors,
Rejoindre la balance. Quelle balance? Alors, à droite, il n'y a rien. C'est absolument plus dans quoi les mettre, mais je vais gagner un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait monter? Ouais, la dissipation. Et encore, je ne dissipe jamais rien. Armurerie, ça me sert à rien. Chimie, ça ne me sert à rien. Améliore le prix d'achat. Vous pouvez vendre des objets volés à tous les marchands. Bah, je ne monterai jamais aussi haut. Crochetage, ça sert à rien, c'est trop facile. Je sais pas. Persuasion? Non. Je sais pas. On va prendre marchandage. Allez, ça me sert à rien. Mais... Alors, finesse. J'ai monté tout ce qui m'intéressait. Donc maintenant, je peux monter des trucs qui me servent à rien. Enfin, si, ça pourrait servir si je monte les dagues, par exemple. Monter la puissance des dagues, ça peut être intéressant. Si je trouve des bonnes dagues. Alors, tout droit. Apparemment, c'est tout droit. Bon, on va essayer de faire une mission en discrétion. Pas sûr que ça va être super efficace, surtout si l'autre reste là, donc ah si si, c'est vrai, j'oublie que j'ai ce sort là maintenant. Ah oui, bon d'accord, j'ai rien dit. Bon ben fais de la discrétion hein. Ya aïe, c'est fini, oui. Je dis X. Allez, oui. Allez, c'est parti. Boum. Boum. 9000 points d'expérience, c'est pas mal. Dernier pierre là. Tu crois peut-être que je mens, mais je ne dis hélas que la triste vérité telle que je l'ai vue alors. Cette chose a été un compagnon fugace, mais un compagnon néanmoins. Entends-tu les plaintes terrestres du temps, la poussière des grottes, les ruines sous nos pieds, le chemin désigné des élus? Tu as trouvé leurs traces, leur demeure, leur lieu de réconfort. Tu te rapproches. Non, j'avais tort. Boum. 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 Là, les mecs ils sont bigleux quoi. Alors voilà la balance. Franchir la balance. Rien ne se passe. Bah, s'il y a une balance, il doit y avoir des poids, non? Ah. Ah, il y a des gens qui meurent apparemment là-bas. Ah.
n'était pas super efficace. On va peut-être plutôt aller... Ah, ceci n'est pas une porte ordinaire, est-ce possible de l'ouvrir avec une clé ou un crochet? Ok, j'invoque des monstres, c'est passionnant. Pourquoi quand je les mets ici, il suit du sang? Ah, ça a ouvert la porte. Ok. J'ai pas tout compris, mais j'ai ouvert la porte. Je ne sais pas comment. C'est toi, c'est la doyenne, toi. Alaran. Comme c'est étrange. Vous êtes un mortel. Mais vos pas résonnent sous un fardeau bien plus lourd qu'aucun mortel ne pourrait supporter. Votre présence ici me surprend encore plus. La balance ne doit pas être manipulée en vain et l'interruption de mon songe exige une bonne raison. Quelles sont vos intentions? M'emparer de la maison des chagrins. Et voilà que l'on m'exhume enfin. Mais Bissarané n'est pas le roi des chagrins dont j'espérais recevoir les injonctions. Je sais en effet où se trouvent les chagrins. Il n'a jamais été question que l'on puisse s'en emparer, ni que l'on puisse les exploiter. Avant de partir, je dois vous demander de réveiller Kaelrod, mon homologue. Le temps a étroitement scellé nos deux destins. Je ne veux pas les séparer. Ok. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons juré de ne plus nous revoir avant d'avoir achevé notre contemplation. Je croyais que cela n'arriverait jamais. J'étais sur un des plateaux de la balance. Vous le trouverez donc sur l'autre. Je vais quitter ce cachot et attendre que vous l'ayez trouvé. Tu pourrais pas m'indiquer le chemin plutôt, non, Vanas? Ah là là, les gens. Bon, apparemment, je dois retourner à la balance. Franchir la balance. Bon, apparemment, quand j'amène les gens ici, ça marche. Donc je vais me mettre là. Petit. Venez par ici. Venez ici. Vous êtes bien là? Ok, donc fallait juste amener les gens sur la balance, en fait. Pas super logique, mais bon. Kaelrod. Le chagrin vous précède, mortel. Non, je le cherche. Son seul poids suffirait presque à faire pencher la balance. Mon songe n'a pas été troublé depuis des siècles. Pour quelle raison êtes-vous ici? Que peut bien me vouloir un mortel? On doit trouver les chagrins. Vous êtes donné du mal pour atteindre Alarané. Si elle souhaite venir au secours de ce roi des chagrins, je me rallierai à sa décision. Il ne suffit pas d'une simple réponse pour connaître l'emplacement des chagrins. Il faudra plus que la connaissance pour les atteindre. Oui, Alarané, on l'a déjà trouvé, donc... Très bien. Voilà, maintenant vous êtes ensemble. Vous allez copuler devant moi, c'est ça? Bon, le temps qu'il arrive, je vais aller voir le coffre. Kaelrod! Alarané! Je crois que notre songe a été brisé. Enfin! Oui, mais vous avez senti la magie comme moi. Ainsi, les doyens peuvent à nouveau se dévisager. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas vu Alarané, mortel. Je vous en remercie. Mais la dévisager, c'est comme ça que tu dis baiser, toi. Atteindre les chagrins. Il aura besoin d'une clé qui se trouve à Brûle-Mal, la caverne du roi en pleurs. Oh là là. Bon, je vais chercher la clé. C'est exact. C'est une tâche ardue pour un mortel. Un faille serait plus qualifié pour pénétrer dans sûr. La caverne, mais le temps presse. Sachez toutefois que vous ne serez pas seul. L'un de nous vous accompagnera à Brûle-Mal pour y récupérer la clé.
L'autre ira instruire Bissarané sur les chagrins. Le choix vous appartient. Reviens avec moi. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais été contraint d'employer ma magie depuis mon arrivée à Damalrock. Mais je crains que notre chemin ne soit semé d'embûches. Nous devons gagner Brûle-Mal. Je vais marcher dans l'ombre jusqu'à la caverne où je vous attendrai. Partons. Très bien. Tu peux pas juste me téléporter, non? Je peux pas sortir par là. Bon, où est-ce que c'est en cours, ce Brûle-Mal? Bah oui, évidemment, c'est pas à côté, hein. Ça serait trop facile. Elle est interminable, cette maison. Pour une maison qui tombe en ruine, c'est lent. Oh, les défaillis, je m'en fous. Oui, pas que je cours, non. Oh, mais les gens sont rebelles aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tout le monde a envie de mourir? Ils sont dissidents. Encore. Bah là, je suis obligé de tuer, sinon je peux pas sortir. Ok. Bon, bah du coup, faut que j'aille là-bas. Alors là, on a un pont. Pimpon, pimpon. Oh, il y a une grosse brutasse. On va lui exploser le bide. Et dans le cul. Ah, il dégueule du sang, c'est dégoûtant. À travers les bois et les montagnes, à travers les cavernes et les vertes prairies, à travers l'été, l'hiver, le jour et la nuit, à travers les halls sacrés. Oui, ça va, on a compris. Des champs, à travers la vengeance, la fierté et les chagrins, résonnent lourdement les pas du chasseur de fer. Je me rapproche d'un objectif blanc, donc ça veut dire que ça me rapproche de la quête principale. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, par contre, je ne sais absolument pas où je cours. Le chasseur court, le chasseur court. Il fonce pour nos vies. Bon, faut que j'aille de l'autre côté. Une jupe de maille forgée dans le plus grand secret. Le chasseur court. Dans les choses du chasseur. Pourquoi sur cette balade, il répète toujours 20 fois la même chose? C'est casse-pied. J'adore leur envoyer une grosse volée de flèches dans le bide. C'est très efficace. J'ai entendu un bruit bizarre. Comme les fantômes de la jeunesse, les plaques magnifiquement. Voilà, il y a quelqu'un qui me court après. Moi, je me barre. Hein. Non, 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 tu me fous la paix. J'ai pas envie d'entendre ton histoire.
Ah, t'es là. Oula, trouvez les restes des exos. Maintenant que vous êtes là, attelons-nous à notre tâche. Les choses ont beaucoup changé ici. Cet endroit est submergé par la corruption de cet abject cristal. Comment les Tuatha Ostim négligeaient ainsi le tombeau du roi Empereur? Ce lieu était un site sacré, et ils l'ont laissé dépérir. Mais le temps presse. Pour atteindre à la clé des chagrins, vous aurez besoin de 3 autres ex-voto comme celui-ci. Nous devons les chercher dans Brûle-Mal. Ben voyons. Très bien. Bon, t'aurais pas envie de te battre pour servir à quelque chose, non? Ok, c'est sur un monstre. Ah oui, d'accord, c'est carrément sur un calamus. Mais de l'eau, ok, donc on va avoir de l'eau, ça va probablement être le truc super moche. Ah bah non, ah bah si, voilà, l'eau, c'est ici. Ça, je l'avais un peu vu venir. On a encore un autre. Alors le feu, par contre, je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber. À part un truc qui vole là, les espèces de méphites peut-être. Botte radieuse. Alors, pour le moment j'ai ça. Alors, ça me fait 5% dégâts critiques et 10 d'eau ramassée. 20% régénération de mana par seconde. Ouais, ce sera toujours plus utile que de l'or. Hein. Ouais, c'est bien ce que je disais. Que cette quête est difficile. Ainsi, vous avez trouvé tous les ex-voto. Ouais. Nous pouvons nous mettre en chemin pour l'épreuve suivante. Les yeux en pleurs. Lorsque nous y serons, je vous en dirai plus. Mais pour l'heure, pressons le pas. Je ne fais que ça. Très bien. Je suppose qu'il faut continuer. J'ai un peu l'impression de tourner en rond. Une dernière épreuve. Les yeux en pleurs. Trouvons-les. Encore ? Très bien. Faut toujours trouver un truc dans ce jeu. On avance. Ah, c'est ça les yeux en pleurs. Voici l'autre obstacle que vous devez surmonter. Les yeux en pleurs.
Les derniers gardiens sur le chemin menant à la clé. Vous devez vous approcher, mortel. Ils vous montreront le chemin. Il vous suffit de leur répondre. Ok. Très bien. J'ai l'impression. Bon, viens ici, toi. Oui. Je suis censé faire quoi? Nous devons nous emparer de la clé en les observant. Il s'agit plus d'une épreuve de patience que d'une énigme. Imitez les yeux en pleurs et la voie s'ouvrira. Ok. Je remets à zéro si je retourne sur la plateforme du milieu. Ah, c'est passionnant. Pas deux heures, hein. Je suis en train de tourner un épisode, là. J'ai pas toute la journée. Allez. Oh, rien du tout. Quand je fais ça, ça reste baissé. Bon, vu la vitesse à laquelle ça va, j'ai eu le temps d'aller looter. Bon, ça y est, ça vient, oui. Si vous voulez, je vais chercher des oignons, vous pleurez plus vite. Et il y a mon épisode qui se finit, vous pourriez avancer, oui. Qu'est-ce que c'est que ces trucs à la con, franchement? Franchement, les développeurs, vous pensez que c'est intéressant pour les joueurs, ce genre de conneries? C'est pas possible. Attends, ça fait une minute et il se passe rien. Je vais pas retourner sur le truc du milieu, ça va encore... Je dois leur répondre. Le problème, c'est toujours celui de gauche. Bon, attends. Ok. Ah, il y a celui de droite. Là. Thank you.
Ah, ou alors, attends, j'ai peut-être une idée. Attends, gauche. Je vais rester là. Voilà, ça fait une combinaison. Gauche, droite et puis milieu, probablement. Mais il faut attendre qu'ils aient fini de pleurer. Voilà. Maintenant, je fais gauche, droite, milieu. C'est débile. Moi, et les énigmes, ça fait deux. Hein. Si vous suivez Secret World, vous le savez. Prends la clé. C'est un bâton. C'est la clé des chagrins. Une branche desséchée. Elle ne ressemble peut-être pas à ce que vous imaginez, mais c'est bien elle. C'est une branche de l'arbre noueux et séculaire dont les racines touchent ce monde et Eshara, le royaume magique d'où viennent tous les Faé. Une branche de l'arbre pendu. Les chagrins prennent la forme de l'arbre pendu dans les deux mondes et cette branche crée un lien entre les deux. Venez, allons la remettre à Bissarané. Très bien. Ouais, d'accord, mais ce sac à toi. On fera ça dans la prochaine partie, parce qu'avec tout ça, j'ai perdu du temps, et du coup, ben, l'épisode est fini. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça aide, et ça fait plaisir. C'était Gorgorcillon, en direct de mon playthrough des Royaumes d'Amalur Awakening. À bientôt, pour la suite.